Pascal. Voilà, hein, comment on dit, suite au Covid, hein, de toute façon, on est tous cagoulés. Voilà, donc on va rester cagoulés tout le long de la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. On a notre ami Jérôme, voilà, Fantomas, voilà, bien caché. Et donc, Pascal, pour la petite histoire, il a fait un post en fait sur mon groupe Facebook où il expliquait avoir acheté donc Softail 2021 stock complet. Donc, c'est-à-dire qu'il répond aux nouvelles normes Euro 5, voilà, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, Pascal? Il me semble que... Voilà, donc il y a 4 sondes lambda en tout sur l'échappement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'avant vous en aviez 2, donc une sur chaque collecteur. Et maintenant avec les nouvelles normes Euro 5, on est passé à 2 aussi sur les silencieux. Donc 4 en tout. Voilà. Et donc Pascal, on va pas parler de nom, de concession, peu importe. Va chez Harley et demande un stagiaire. Donc là, la concession te dit OK, pas de problème. Sachant qu'il y en a qui disent non directement aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, Pascal l'a su après. Il a même appelé d'autres concessions par la suite. On va vous expliquer l'histoire. Et en fait, ils ont dit non, non. Nous, aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 27 mars 2021. Du moins, en tout cas, à leur connaissance, personne ne fait une carto. Voilà, donc certaines concessions lui dit non, non, nous on fait pas. Et lui, pas de bol, il tombe sur la concession qui lui dit ouais, ouais, je fais, on fait. Et donc en fait, il fait installer un filtre. C'était quoi le filtre que tu avais? C'est un KN. Un KN, bon, bref, de toute façon compatible. Un haut débit. Voilà. Exactement. Et la ligne d'échappement? C'est un Vincent Heinz Big Shot. Ok, donc ça déjà. Il avait la et une carto, alors une carto dont j'avais jamais entendu parler. Techno Recherche. Donc en fait, Pascal se fait installer ça, tout ça, tranquille, impeccable. Et il vient récupérer sa bécane et effectivement, il est content, tout est OK, on lui a mis ses échappements, on lui a mis son filtre, OK. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe, mon ami Pascal? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On te rend la bécane. On me rend la moto, je rentre chez moi et le lendemain, je reprends la moto et au bout de quelques secondes, j'ai le voyant moteur orange qui s'allume. Voilà, ok. Donc voyant moteur qui s'allume. Voilà. Donc un défaut. Un défaut, je ne sais pas lequel. J'appelle la concession, ils me disent de passer, j'y vais et on m'explique que c'est les chintes mis au son de lambda arrière qui ne sont pas... adaptés, ils vont en mettre d'autres. Et je repars comme ça. Et au bout d'une centaine de kilomètres, à nouveau le voyant moteur. Et je fais la même opération 3 ou 4 fois. Ok. Donc en fait, en gros, bon, on va la faire vite. Tu rappelles Harley, tu leur dis que tu n'es pas satisfait. Eux, ils te disent, bon, ben écoute, ben, en cas, on te remonte tout. Ouais, alors d'abord, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de risque moteur. Aucun risque moteur par rapport à... à ça. Les autres concessions m'ont dit que ne prenaient pas le risque. Ouais, voilà. Entre temps, en fait, tu te renseignes, tu apprends que d'autres concessions ne le font pas. C'est là que j'apprends que ça me fait que les autres concessions ne le font pas. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais pas de raison de me renseigner. Et à l'issue, je leur demande une solution et ils m'ont dit ben, on vous la remonte absolument stock. Ok. Et en attendant, nous, on trouve une solution. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, en fait, donc tu la remets stock. Donc ouais voilà, c'était en fait un truc ouais comme tu dis Jérôme, c'était expérimental. Donc du coup on te la remonte stock, on te la rend, et là entre temps donc tu fais une publication sur le groupe Facebook, tu nous expliques ton truc, tu t'aperçois que beaucoup te disent mais aujourd'hui personne ne sait faire une carto. Et en fait on apprend plus ou moins au même moment que les seuls qui sont capables à aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, de faire une cartographie, c'est donc la fameuse cartographie poivre noir. C'est ça. C'est ça, parce qu'à chaque fois, moi, c'est bien poivre noir. Poivre noir qui serait capable de... Voilà, parce que moi, à chaque fois, je m'embrouille, hein, le poivre, le sel, ben, voilà. Donc, poivre noir, voilà. Électroniquement, supprimer les 200 voilà, c'est ça. Supplémentaires. Voilà. Aujourd'hui, poivre noir, donc du coup, il me demande mon avis, je lui dis, écoute, moi, aujourd'hui, il n'y a que poivre qui sait faire, donc pourquoi pas, et je vais profiter, si ça t'ennuie pas, de filmer ce fameux stage, hein. Donc on va voir l'évolution. Parce que je rappelle, tu choisis quand même un échappant court, donc on va
forcément shunter, enfin tu vas virer deux sondes. Voilà. Poivre noir, eux t'ont dit qu'ils vont carrément les enlever. Ouais. Parce que c'est ça, ta première, ton premier essai charlé, ils les avaient juste chantés, débranchés, mais gardés. Enfin, c'est ça, elles étaient physiquement. Voilà, c'est ça. Et tu m'avais parlé aussi vite fait d'une histoire de diag. Ouais. Voilà, parce que toi, tu avais eu un défaut. Alors, je sais pas si on peut voir on va vite fait la, diag. La manip. Voilà. La manip, on va rentrer dans le menu diag. On y est. Voilà, donc, c'est assez rapide, hein, la manip. Hein. Voilà, moi j'avais le défaut à ce niveau-là. J'avais une erreur qui était mentionnée P0141C, qui correspond manifestement au son de lambda. D'accord, oui, parce que là on a le N qui veut dire neutre. Hein, non, sans... pas d'erreur. Non, pas d'erreur. Ok, voilà, ça marche. Sur toutes les autres fonctions. Ok. Donc là, pas d'erreur non plus. Aujourd'hui en tout cas, on constate qu'il n'y a pas d'erreur. Que auparavant tu en avais avec la fameuse. Une précision quand même. Mais l'erreur était mentionnée même si le voyant moteur était éteint. D'accord. C'est par ce menu qu'on éteignait le voyant moteur, mais en rallumant, l'erreur était mentionnée, parce mais le voyant moteur était éteint. Tu avais aussi un voyant par moment qui s'allumait. Exactement, ce voyant-là. Ok, ça marche, oui. Donc même si le voyant était éteint, tu avais toujours l'erreur. ECM, yes. Ok, donc ça, on vérifiera tout ça. Donc en fait, là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on fait cette vidéo avec Pascal. Parce que lui, donc finalement, va faire cette fameuse cartographie poivre noir. Et on lui a demandé qu'on s'immisce dans ce business, entre guillemets, enfin en tout cas dans ce projet, pour que lui, il note bien son ressenti de bécane à l'origine. Parce que moi, c'est vrai que je suis toujours titillant et je dis toujours, souvent, et ça arrive hein, régulièrement, je vous jure, c'est-à-dire qu'on récupère une moto, si on a juste un autre échappement, on croit que la bécane fonctionne mieux. Voilà, c'est je sais pas comment on pourrait dire, c'est... On a... Ça peut être un... Il y a un ressenti. Vous prenez... Surtout là-dessus, avec la vibration, le bruit... Alors dans ce cas-là, j'espère pouvoir faire la différence, dans le sens où... On a même les voitures américaines. Hein. J'ai conduit cette moto stock. J'ai conduit cette moto avec les pièces montées par Harley, donc avec le bruit et ainsi de suite. J'ai repris cette moto stock. La différence n'était pas flagrante, mis à part le bruit et... Ouais. Et là, on verra avec poivre noir si jamais la différence est... Voilà. Donc en fait, nous, en tout cas, Jérôme et moi, on va juste te demander vraiment donc de faire attention au comportement moteur, voir si vraiment tu notes quelque chose. Alors aussi, pour le délire, et puis parce qu'on pense que ça... Une référence de temps. Voilà, faut quand même une petite référence, tout ça, parce que de mémoire, donc tu as contacté poivre noir qui t'ont garanti donc un meilleur rendement. Une meilleure consommation, mais pas forcément, parce que forcément, tu auras envie de taper plus dedans. Exactement. En théorie. Voilà. Qu'est-ce qui te garantissait aussi, je crois il y avait, pas de code erreur, déjà. Pas de code erreur. Performance, quand même. Et une meilleure performance. Voilà. En théorie, tout ce qu'on attend d'un vrai stagiaire. Donc, en fait, on recontactera Pascal d'ici, parce que je crois d'ici une petite, on va dire, d'ici 7 jours, tu récupères ta bécane. C'est ça. Avec les accessoires, le stage. Ils t'ont conseillé aussi, je crois, de faire au moins une centaine de bornes. Exactement. Voilà, au minimum une centaine de bornes pour toutes les données soient collectées par la moto. Voilà, ok. Je crois de tout le temps mettre de toute façon du SP98. Ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, on se recontactera pour avoir ton ressenti réel sur le truc. Exactement. Au même endroit. Et on reviendra au même endroit, donc c'est ça ce que Jérôme il essaye de me dire depuis tout à l'heure et que je vous ai pas encore dit. On va se faire un départ arrêté de 0 à 400 mètres, on va chronométrer la distance, on va, je pense, en fonction du résultat, on va virer certainement la plus mauvaise et la meilleure. Et du coup, l'idée ça serait qu'on ait trois valeurs dont on fait la moyenne. Voilà. Et on se revoit dans 15 jours à peu près, si le temps le permet, si tout le permet. Tiens, bah d'ailleurs, démarre là nous un peu aussi, qu'on voit un petit peu tel qu'elle est. Et ensuite, on fera le comparo avec l'avant et l'après sur le départ arrêté 0,400 mètres. Vas-y. Ah, c'est sûr que c'est très très light, hein, très très light. Ça sent l'Euro 5. Ça sent, ouais.
Ça sent l'Euro 5, ouais, effectivement, ouais. Bon, et eh ben allez, on va se mettre en place. On a la bombe, on a fait la marque pour le départ arrêté. Je file le chronomètre à mon ami Jérôme qui va se barrer là-bas à plus de 400 mètres. Et après, on va lancer les départs. Et hop, nous voilà à 400 mètres. Ça laisse quand même une petite distance pour freiner. Alors notre Pascal, il se prépare. 3, 2, 1, go! Il est chaud, il est chaud, il est chaud, hein. Ouh. 12 secondes, 81. Premier essai. Focus sur le chrono. Ouais, il est régulier, hein. Ouh. 12,56. 12,69. Top. Bon alors les amis, là ça y est, on a fini. Franchement, c'était top. Moi ça m'a fait trop délirer. Je pensais que j'avais l'impression d'être, comme je disais, dans Fast and Furious, en train de faire des départs arrêtés de ouf. Sans les maillots de bain. Ouais, sans les maillots de bain. Franchement, Pascal, il a assuré. Là, on va parler des temps. Comme ça, au moins, il n'y a pas de secret pour vous. Vraiment, dans le pire des cas, dans tous les cas, si je pense qu'au montage, on va mettre un ou deux chronos. Mais voilà ce que ça a donné. Donc, comme convenu, 5 essais nous a fait le Pascal. Avec un 12,81, 12,63, 12,56, 12,69, 12,62. Si on prend la moyenne des 5, on est à 12,66. Et si on enlève la meilleure et la plus mauvaise, on est à 12,64. Donc franchement, on est sur une super bonne moyenne. Une belle régularité, ouais. Aussi sur chaque... Ouais, franchement, Pascal, là, pour le coup, il a vraiment assuré. Donc nous, on s'est régalé. On va revoir Pascal d'ici 2 semaines, si le temps le permet. C'est ça. S'il fait beau, si on a toutes les mêmes conditions pour refaire l'essai. Et pour voir donc déjà son premier ressenti. Et ensuite, on reparlera de ce 0 400 mètres. Voir si vraiment il y a une différence aussi. Alors mon Pascal, comment vas-tu? Très bien. Bon, est-ce que... Aujourd'hui, très bien. Ouais, alors dis-moi, est-ce que tu es content? On voit pas là, mais je pense que tu as le sourire. Très content. Voilà, hein, je pense que tu as le sourire. Donne-nous un petit peu ton ressenti. Donc, si tu avais, je le rappelle, des codes erreurs, est-ce que là tu en as retrouvé? On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Allez, c'est parti. On va voir si nous affiche des codes erreurs, donc on va voir ça. Alors comment? Alors attends, parce que là du coup, tu comprendras quand tu verras la vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors éteins-moi tout ça et que tu nous expliques comment déjà tu fais la manip. Alors pour voilà. Alors comme parce la, que la manip elle est simple sur les modèles 2021. En fait, il faut appuyer en même temps sur la mise du contact et sur le menu. Ouais. Ok. Le menu compteur, okay. Et laisser appuyer sur le menu compteur jusqu'à ce que le diagnostic s'affiche. Allez, c'est parti. Donc on fait ça. Voilà, diag s'affiche. Okay. Et là, si on a des codes erreurs, on va les voir. ECM, pas de code erreur. Okay. Alors que, avec le stage 1 oui, qui m'avait été monté, il y avait un Y ici qui veut dire yes, donc code erreur. Okay. Ensuite, tout le reste, comme tu peux le voir. Oui, c'est ça, c'est quoi? J'avais dit N pour neutre, mais en fait, ça veut dire. Non. Non, voilà. Oh. Voilà, je me rappelle, j'avais rigolé quand j'ai revu et la si vidéo. Si tu veux être sûr, tu laisses appuyer sur le menu gag et tu mets non. Pas de code erreur. Ça marche. Voilà. Donc là, on récapitule là juste déjà concernant. Donc pas de code erreur, pas de voyant qui s'allume. Pas de voyant qui s'allume. Rien depuis 3 semaines. Rien depuis 3 semaines. Ok, donc ça. Tout va bien. C'est bon, tout va bien. Maintenant, donc on va parler de ton ressenti. Donc. Alors, à l'usage quotidien, moi j'utilise la moto tous les jours. Je fais route, autoroute, voie rapide. J'ai trouvé beaucoup plus. Enfin, une souplesse notable. D'accord. J'ai plus de souplesse dans la machine.
Le moteur me semble tourner plus rond. Ouais, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, tu as l'impression d'avoir gagné un rapport, voilà, c'est j'ai ça ? J'ai l'impression de pouvoir circuler un rapport au-dessus sans que ça cogne. C'est-à-dire que très souple. Là où je passais peut-être en deux, je peux passer en trois sans que ça cogne, sans okay. être obligé de descendre un rapport. Donc, ok, donc plus souple, donc plus linéaire en fait. Plus linéaire, ok, moins d'à-coups. Et par contre, tu gagnes un rapport, tu as l'impression d'avoir gagné donc en couple, quoi. Exactement. Okay. Après, niveau conso, c'est similaire. Alors de là à te dire, comme elle me semble marcher mieux, est-ce que j'ouvre un peu plus ? Peut-être. Voilà, ouais. Mais... c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, si tu vas avoir tendance à déjà peut-être entendre plus tes échappements, avoir l'impression que ça fonctionne mieux, donc tu vas avoir peut-être plus tapé dedans, donc finalement arriver à un quasi nul en termes de consommation. Voilà, j'ai pas vu de différence notable en fait. Ok, c'est voilà. toujours à peu près pareil. Pour le reste, bah, super content quoi. Okay. Super content parce que là, sur le coup, je peux le dire, après 3 semaines, bon. Oui, c'est ça, c'est que malgré tout, on t'a conseillé quand même de faire vachement de bornes. Voilà, on m'a conseillé, on m'a dit que la préparation en elle-même serait complète avec l'enregistrement des données par le boîtier au bout de 150-200 km à peu près. Okay, c'est-à-dire que le boîtier enregistrait les modifications de la moto, la préparation pour Renault a fait en sorte que ça enregistre les modifications de la moto sur 150 km et qu'après 150 km, la préparation serait... complète et définitive. Ok, donc en fait, donc là, t'es ravi. Je suis très content. Bon, ok, alors maintenant, peut-être... Pour ceux qui... Oui, une dis-moi. Petite précision, pour ceux qui voudraient faire la même chose, un petit truc important, c'est que Harley peut faire des mises à jour. D'accord ? Il faut d'abord, sur chaque révision, les prévenir de ne pas toucher à la cartographie. Ouais. Qu'il ne l'écrase pas. Ouais. Et si une mise à jour l'écrase, il est nécessaire de contacter Point Renoir pour remettre la cartographie Poivre d'Or. Parce qu'une mise à jour Harley obligatoire peut écraser la cartographie. D'accord, ok, ça marche, ok, très bien. Je tourne ma biche. Allez. Bon, bah déjà les gars, ça me fait plaisir. C'est la première fois. Donc voilà, big up, hein. c'est Steph, c'est moi. C'est voilà. lui. Je suis quand même bien caché. Le loup là. Alors on va juste parler, allez, juste pour le plaisir, des performances. Alors je vais vous rappeler, parce que bêtement on a fait l'enregistrement, vous allez me croire ou non, on est revenu là, j'ai pas pris les temps avec moi, donc on a essayé de retrouver, donc voilà, donc la moyenne qu'on avait il y a 3 semaines, on était à 12,64, j'espère que je dis pas de conneries, vous le verrez sur les vidéos précédentes, donc 12,64, là il était par contre vachement régulier, hein, notre ami Pascal, c'est vrai. Là, si je vous la fais vite, si on parle de la moyenne des 3, donc on a enlevé le meilleur, on a enlevé le moins bon, on est à 12,19. Donc ce qui est quand même, on n'est pas loin de 0,5 secondes. Je pense que franchement, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des ingénieurs, machin, mais 0,5, c'est pas mal. Donc voilà, donc au niveau perf, notre ami Pascal, on ne sait pas si c'est le PNP, on ne sait pas si c'est l'échappement, ça rase. Parce que d'ailleurs, on va le faire écouter, ça rase. C'est vrai. En tout cas, il a envoyé de la praline. Voilà. Je vous rappelle le but. Soi-disant, en tout cas, Harley faisait le stage. Bon, finalement, ils n'étaient pas capables de le faire. Il y a PNP. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir le faire. Voilà. Je dis bien, il est le seul à pouvoir le faire aussi. Pour la simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, Pascal a un échappement donc en Euro 4, hein, c'est-à-dire pas en Euro 5. Il ne peut avoir que 2 sondes cet échappement. Aujourd'hui, les motos, comme celle de Pascal, c'est de l'Euro 5 avec 4 sondes. Donc, PNP arrive à vous mettre n'importe quel échappement aujourd'hui du commerce en Euro 4 sur votre moto Euro 5. Et la stagée. Et la stagée, donc. Oui, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Questec, on a dit. Oui. Il n'y a que Questec aujourd'hui qui fait des échappements en précommande en Euro 5. Voilà. Donc, comprenez bien le concept, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une moto Euro 5. Aujourd'hui, on ne peut mettre que des échappements Euro 4. Pour pouvoir mettre de l'Euro 4, il faut avoir une moto stagée. Et aujourd'hui, on est le combien ? On est le 17 avril. 17 avril, il n'y a que PNP qui répond à ça. Voilà. Je sais pas si on voulait ajouter d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On voulait dire d'autres trucs ou pas, mon Dieu ? La manip concrète de PNP. Alors la manip de ce qu'on a bien. Pascal, il va nous confirmer donc. Ils ont
mettons donc monté des pièces, c'est ça? Ouais. Ils ont roulé un petit peu avec. Voilà, donc le mec qui s'est occupé de ça. C'est ça. Voilà, donc il a roulé un petit peu avec. Ensuite, il a pris, donc il a branché son boîtier sur. Il a pris le boîtier, il l'a branché, il a envoyé les données. Voilà, c'est ça. Aux ingénieurs PNT. Donc c'est ça. Donc en fait, ils ont pris entre guillemets les pardon. Tous les relevés capteurs. Qui sont mesurés avec les pièces du coup modifiées. Modifiées. Voilà. Ils ont magouillé leur petit truc, leur petite sauce. Les ingénieurs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, ils ont poivré. Voilà. Et ensuite, ils ont renvoyé le truc. Ils ont rebranché, c'est ça, le mec. Exactement. A rebranché. Il a injecté le truc. Et ensuite, toi, tu as roulé. Voilà, aujourd'hui, tu as fait deux. Ça marche. T'as fait, ouais, ça marche. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo, alors je vais pas dire que c'est une exclusivité, mais voilà, c'est, en tout cas, c'était super sympa de. On devait leur faire écouter. Voilà, ah oui putain il est bon. Ah, il est oui. Bon. Voilà, et on va finir là-dessus. Attends. Donc en tout cas on espère que voilà, ça sera une petite exclue, entre guillemets, parce qu'on est voilà, on a vécu ce qu'on a vécu, de 0,400 mètres, franchement on s'est éclaté. On pensait pas que ça marcherait. Bon voilà, après on n'est pas des pros. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, si vous voulez stager votre bécane, il n'y a que PNP. Voilà, je n'essaye pas de les vendre. Parce en 2021. En 2021, voilà, parce que je ne gagne rien dessus. Mais en tout cas, d'ailleurs, si vous m'entendez, PNP, petite casquette poivre, hein, ouais. On sait jamais. Deux, hein, même trois, allez, voilà, hein, je peux vous donner mon adresse. Allez, on finit cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tatati, tatata. Plus on est nombreux, plus on peut faire des petites vidéos sympas. Et là, vas-y, mon Pascal.